Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve toujours sur Need for Speed Payback les amis. Et on se retrouve donc pour la suite de notre petite première vidéo. Donc dans la première vidéo on avait fini qu'on était arrivé chez nous avec la voiture. Excusez-moi, on prend un peu de... Voilà, donc on était chez nous, voilà. Et voilà, et on devait aller chercher la course. Attends. Voilà, caméra de loin. Voilà, là c'est mieux. Donc on devait aller faire la course. Donc c'est en gros le sprint, c'est la... Je pense que c'est notre première épreuve, quoi, globalement. Attends, on va voir la carte. Ouais, c'est ça. On doit aller là. Allez, c'est parti. Donc on va sûrement faire la course avec cette épave là, qui est sacrément pas rapide. Putain, ça risque d'être galère hein, les amis. Ouais, j'espère que les amis, cette vidéo vous plaît. Enfin, ce petit jeu vous plaît, oui, parce qu'au moment où je tourne, en fait, je tourne un peu à l'avance. Il n'y a pas encore le premier épisode sur la chaîne. Donc c'est des suppositions que je fais. Là on est au deuxième, donc j'ai pas encore mis le premier sur la chaîne au moment où je tourne le deuxième, donc c'est pour ça. Aïe putain, c'est toujours pas... C'est vraiment de la daube hein, cette caisse. Allez. Allez, départ, c'est parti. Je rappelle que le but après ce sera d'avoir une très bonne voiture et de continuer l'histoire bien évidemment. Putain, elle est sacrément pourrie ça là. Allez, ça va nous aider au lancement. Au départ. Par contre, elle va pas trop mal pour le drift, hein. Hop. Ça va qu'ils sont nuls hein. Allez, on passe encore les checkpoints. Ouais, ça avance bien. Bon les gars, j'espère que ça vous plaît un petit peu de merde. J'ai tellement une bite. Donc j'espère que ça vous plaît un petit peu de gameplay de jeu de voiture comme ça avec une histoire. Il y a quand même une histoire hein. Que je suis pas super fan des jeux de simulation, tout ça, je suis pas... m'intéresse moyen, quoi. Je préfère les jeux, voilà, comme Need for Speed, ou encore même Forza Horizon, que j'aime bien. J'aime bien les Forza Horizon. Même si je l'ai fait... Putain, mais... What? Même si je l'ai fait, ben, jamais, quasiment. Hein. Attends, on est à 200 mètres de l'arrivée, je me suis fait rouler dessus. Vas-y, on va recommencer. Même si je les fais pas réellement sur la chaîne, et Forza Horizon, de temps en temps, c'est pas des jeux que j'achète forcément. Les Need for Speed, c'est pareil, c'est pas forcément des jeux que j'achète. Bon, celui-là, je l'avais acheté il y a longtemps sur PC, je ne pouvais pas le faire tourner sur mon ancienne tour. Enfin, je pouvais le faire tourner, mais pas dans des conditions optimum pour filmer et tout. Du coup, j'éditais, pourquoi pas se faire le petit NFS Payback. Voilà, ça a changé un petit peu. Et comme ça nous fait quelques Need for Speed sur la chaîne, c'est toujours sympa. Pour ceux qui aiment bien les jeux de voiture et jeux de course, etc. Là c'est un gameplay vachement arcade hein, les gars. Comme je vous le disais. Avec un petit peu de prépa, on verra ça un peu plus tard, mais je pense qu'il y aura de la prépa. Vu qu'on est sur un Need for Speed, il y a de la prépa quoi. Forcément, on verra comment elle est, on verra si c'est intéressant. Etc. En tout cas, l'histoire elle me plaît bien pour le moment. J'ai pas. Bon on verra par la suite comment ça se passe. Si l'histoire se devient chiante ou quoi, mais pour l'instant elle a l'air plutôt cool. Donc à voir un peu par la suite ce que ça va donner. Ouais, hop. On va essayer de finir la course. Là, on va prendre un peu plus d'avance. Voilà. Épreuve réussite. Allez, c'est bon, ça nous a suffi pour gagner.
Nouvelle course disponible. Attends, faut aller où? C'est ça là? Circuit de Rustway, Asie. Allez, on va. Oula. Putain, elle est inconduisible cette caisse. Allez, on doit aller. Bon, on doit aller voir le clan du coup. Enfin, faire l'autre course pour le clan. Allez, c'est parti. On va voir si c'est un peu plus compliqué ou pas, les amis. On va voir. Tac. Allez, on va tester cette course là. On va voir un peu. What? J'ai pris ses Akumi. Il est tellement pété qu'il descend. Allez, un petit coup de noce pour aider au départ. C'est parti. Dégagez avec vos poubelles. Mais je suis deuxième. Ok, d'accord. Donc dès qu'on prend un mur un peu trop fort, ça nous... D'accord. Ok, donc Elise, on va te doubler. Allez, dernier tour. Crois que je commence à comprendre comment ça marche le pour faire partir les voitures et tout. Je suis toujours premier. Ouh. Ok, on a rejoint le clan. Donc là on doit aller à 1 km et quelques, il doit aller normalement, si j'ai bien compris, il y a une voiture qui nous attend. On va aller voir un peu. Dégage avec ta poubelle. Bon, j'espère que ce sera mieux que ça. Hein. J'espère qu'on pourra la choisir aussi, surtout la voiture. Parce que c'est ça qui va m'emmerder un peu plus, c'est que si on peut pas la choisir, ça va être chiant. Hein. Genre être obligé de rouler avec... Waouh, jusqu'à qu'on ait un peu de sous pour acheter une bagnole. Celle-là, elle a pas assez de chevaux sous le capot. Elle est pas assez nerveuse, en reprise elle est trop lourde. Allez, on va aller chercher notre nouvelle tuture. Comme sur GTA. Sur GTA, on a enfin une putain de bagnole. J'ai acheté un nouveau garage aussi. Oh putain, la caisse. Oh la BM. Moi je veux bien celle-là, hein. Wow. Sérieux, on peut rouler avec ça?
C'est ça là notre nouvelle caisse? Pouh, la BMM5, elle envoie, hein. Allez, on va chercher Navarro. Attends, on a une putain de belle caisse, hein. Allez, c'est parti. Vengeance. Tant qu'elle marche, on s'en fout. C'est parti. Allez, c'est l'heure de la vengeance. Putain, elle est chouette la BM. J'espère que t'as bien profité, Lina. Ce soir, c'est fini les construquets. Nous y voilà. Bienvenue dans la cour des grands. T'as plaît, t'es dans les bagnoles. Ton nom de code, c'est Sidewinder. Reste sur cette fréquence et suis les ordres de la patronne. Te récompensera généreusement. Sidewinder, compris. Allez, c'est parti. Voilà, c'est quoi le but? Gagner la course truquée. Ok. Bon, ça va pas l'air d'être bien compliqué. Allez. Bon, bah, elle est où la difficulté là? Allez, c'est parti. Je parle pas beaucoup, les amis, mais j'ai pas grand-chose à dire. C'est parti. Hop. T'as la M5 comme elle envoie. Tiens, il me tarde de choisir. Enfin, il me tarde de voir quand c'est qu'on a notre vraie voiture à nous. Parce que celle-là, je suppose qu'ils vont pas nous la laisser direct, sinon c'est déjà trop cheat. On a déjà une putain de bagnole de départ, ce serait trop cheaté, quoi. Bon, qu'on en a eu une de 1500 chevaux, donc. Allez, petite vidéo, les amis. Perdre beaucoup de pognon à des gens très importants. Tu viens de provoquer le clan. Et on gère absolument tout dans cette ville. Chaque course de rue, chaque balade de nuit, chaque rallye, tout terrain. Et le clan gagne toujours. Et bah pas ce soir. Mademoiselle Navarro, il y a trop de monde ici. Un de ces quatre. Vous deux, assurez-vous qu'il n'arrive jamais chez lui.
Ok. Il y a déjà un de démoli. Ah, il y en a un deuxième derrière moi. Oh, avec ta Mustang ou ta chargeur, je sais plus. Allez. Allez, on va s'échapper avec la BM là. C'est parti. Bon, j'ai conscience que je parle pas beaucoup, les amis. Mais conscience que je parle pas beaucoup sur ce genre de jeu, les amis, mais il y a besoin, enfin le gameplay parle par lui-même quoi, il n'y a pas besoin forcément de commenter beaucoup de choses, etc. Parce qu'il se passe pas non plus des millions de trucs. Et 249, 253. C'est parti. Imagine une ville où le risque n'est qu'illusion et où tous les paris sont truqués. C'est ça, le rêve du clan. Et ils feront tout leur possible pour le réaliser. Je suis pilote de rue. Tout ça, ça me concerne pas. Non, stop. Ça te concerne, gamin. Plus que tu le crois. Ça te concerne. Leur chef, on l'appelle le percepteur. Et il a une seule faiblesse. Les voitures. T'as entendu parler de l'Outpost Rush? La plus grande course de rue de tout le pays. Ouais. Et le clan va la truquer. Plein de gros joueurs vont miser des millions sur leur pilote qui aura droit à un joli pourcentage. Ce soir, c'était un test. Je t'ai vu à l'œuvre. Ton petit numéro m'a donné une idée. Ah ouais. Écoute. J'ai vu ce que tu sais faire. Tu es le meilleur pilote de toute la ville. On doit juste s'arranger pour que tu participes. Gagne l'Outlaws Rush et le clan. Les Navarro tomberont à nos pieds. Tu veux détruire le clan ? Ouais. C'est pas ma guerre. Sauve-le toi-même, ton casino. C'est pas dans ces rues que tu roules ? Alors si, c'est ta guerre. Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser tranquille ? Ok. Sérieux, on a vraiment cette bagnole? C'est trop bien. Ouais, on va rentrer et puis après, on va sûrement se quitter là pour cet épisode-là. En tout cas, super épisode. Ouais, franchement, je suis de plus en plus... Enfin, elle est trop bien l'histoire là pour le moment, on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous, dans les coms, les potos? Dites-moi comment vous le trouvez. Mais personnellement, pour le moment, je kiffe ma race. Sur ce jeu là. Ah, je suis dégoûté de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Enfin, pas y avoir joué plus tôt. Parce que du coup, je l'ai acheté déjà depuis... ça fait peut-être 7, 8 mois. Là, je l'ai acheté en, je crois, octobre de l'année dernière. Merde.
Et sérieux, si on garde cette caisse, c'est génial pour commencer. Petite BMM 5 là, en plus elle est un peu prépa, elle est belle. Ah, elle est pas ouf, mais elle est belle. Mais au lieu de ça, tu as déçu beaucoup de monde. J'attends une explication. J'ai déjà réglé le problème. Ok, ça aurait été trop beau que je garde la BM quoi. Where? On fait comme t'as dit. Bien. Il va te falloir une équipe. Cinq étoiles la balade. Oh, comment elle est trop belle la bagnole. Sois fort, Mark. Tu vas y arriver. Suffit de garder le sourire. Salut. Ashti, gros. Je suis fan de ta chaîne. C'est Ash Tiger. Ah. Selfie Tiger. Non, rugis. Non, s'il te plaît. Pas de selfie Tiger. Vas-y, rugis. Épique. Bon, tu montes. Putain, déchire la caisse. Les gars, matez-moi cette caisse. Putain, propre, hein. Wouah, elle est belle. Attendez. Allez, hop, on fait ça. Allez. Recommence, mais vas-y vraiment cette fois. Écoute, je sais pas, le client est toujours droit. Tu sais quoi? Allons à mon spot de drift. Ils vont pas me laisser, je... Vas-y. Ok, bon bah les potes, on va s'arrêter là pour cet épisode là, j'espère que ça vous plaît, toujours ce petit jeu, enfin je suppose que ça vous plaît, mais j'espère que vous kiffez quand même, on se retrouvera dans le prochain épisode où on partira de là, voilà je vais mettre le petit jeu en pause, histoire de pouvoir reprendre le prochain épisode là, alors je sais pas quand je vais le tourner, du coup pour le moment je laisse un peu comme ça, ce sera sûrement ce soir, enfin voilà, bref, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à partager la vidéo, n'hésitez pas à partager la chaîne à vos potes qui aiment le gaming, ou le multigaming, voilà, ben, la chaîne est faite pour eux, donc n'hésitez pas, plus on sera nombreux, mieux ça sera. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit com, le petit partage, le petit abonnement, le petit utip, n'hésitez pas à checker tous les jours s'il y a des pubs ou pas. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la fois prochaine.